Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce vendredi 6 août 2021. J'espère que vous allez bien. Je vais vous lire la phrase du jour. Dieu ne t'apparaît pas en personne, mais en action. Et ceci est de Gandhi. Alors, je rebondis, donc merci de vos commentaires. Je rebondis aussi vis-à-vis d'hier, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé en chanson et en parole. Sachez que depuis un certain temps, je partage plus ou moins ce style de parole, et il faut savoir que je ne suis pas dans la violence. Donc, quand je vous ai partagé ceci hier, j'ai omis de le dire, mais malgré que je ne suis pas dans la violence, je vois quelque chose qui va arriver dans ce contexte-là. Donc, à faire très attention. J'ai entendu aussi donc des personnes qui voudraient rentrer. Alors attendez, je vais chercher la carte. Voilà, comme je vous ai montré cette carte ici, hein, c'était pas pour inciter les gens à aller dans des, de rentrer dans des, vous voyez ce que je veux dire, des endroits quand même. Voilà, ça je le conseille vraiment, comment dire, vraiment vraiment, puisque si il se passe ceci. Eh bien, on pourrait mettre la loi martiale. Donc, quand je vous ai montré cette carte, c'était pour vous faire voir aussi ce petit triangle au milieu, hein, que tout le monde connaît. Donc, je vous ai montré ceci, ici. Non, non, non. Attention, attention. Voilà. Qu'il y aurait de l'action. Et nous en sommes là. Voilà. Nous en sommes ici. Donc, je ne suis pas pour la violence, mais malheureusement, depuis quelque temps, depuis assez longtemps, ça fait un an que je parle de ceci, du monde dans les rues, etc., etc., avec toutes les cartes qui sont sorties pour celles et ceux qui me suivent depuis très, très, très longtemps. Même si on ne veut pas de ça, eh bien, malheureusement, je vois que ça va bouger, ça va chauffer. Voilà, je pourrais dire le mot. Donc, attention, attention, attention. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit qu'il y avait des lois qui, un jour ou l'autre, seront retirées. Donc, essayez de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces lois, etc., il y a des lois qui vont être retirées. Et je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Là aussi, c'est à bien méditer. Hein. Je pense que ceci va être aboli, comme elle m'a dit une abonnée. Hein. Et ça, je l'ai dit depuis très longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, j'ai trouvé aussi donc un lien. C'est Jean-Noël Mandy. Voilà. Et bah, ça parle d'éviter le déclenchement de la loi martiale 2021. Jean-Noël, comme le prénom, pardon, Mehdi, je ne sais pas si on dit Mandy ou Mehdi, Mendy. Je vous avais dit que ça bougerait aussi donc aux États-Unis, qu'on pourrait apprendre des choses peut-être au mois d'août, hein, c'est ce que je vous avais dit. Là, j'ai fait des recherches et on entend test d'alerte aux USA. Voilà. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je ne sais plus si c'était cet été ou au printemps, je vous avais dit ça, je vous avais parlé de lois, hein, qui seront défaites. Il y a des choses qui vont être abolies. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Donc je remercie aussi à mes abonnés, quelques demi-lumières aussi. Qui m'envoie des liens. Voilà. Donc, être vigilant, j'ai envie de dire à ces personnes, d'être vigilant et d'éviter de rentrer dans des endroits comme ce que je vous ai montré ou autre endroit, hein, parce que ça pourrait déclencher la loi martiale. Et ça serait grave, quoi. Donc, rappelez-vous aussi, quand je vous parlais de grève, de grève, de grève,
eh bien, on apprend pas mal de grèves dans les hôpitaux, etc., etc. Et j'en passe et j'en passe. Et les gens vont avoir certainement du mal aussi à se soigner. Donc, je pense qu'il y aura des personnes qui vont soigner des personnes autrement que dans ces endroits-là. Je pense aussi vis-à-vis de ce qui pourrait éventuellement se passer à l'extérieur, sans effrayer qui que ce soit. Alors, j'ai appris aussi donc par une abonnée qui m'a envoyé ce lien, les autorités donc les autorités font sauter un barrage et a inondé vraiment une ville. On parle de la saturation sanitaire aussi à Awan. Alors, je ne sais pas si on le dit comme ça, Awan, je ne sais pas. Donc ça, j'en avais parlé aussi depuis très longtemps, hein. Mais apparemment, ce seraient les autorités de ce pays qui auraient fait sauter ce barrage et qui auraient inondé une ville. Quand je vous dis que toutes ces personnes dans plusieurs pays du monde sont capables de tout. Alors, c'est pareil, je vous avais parlé aussi d'eau depuis très très longtemps, si ce n'est pas plus d'un an pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous avais dit de faire attention à l'eau du robinet. Il y a des personnes qui en parlent aussi. Donc, faites attention à l'eau du robinet. Hein, je vous avais parlé aussi quand il y a eu des inondations, parfois les personnes recevaient des textos par les maires ou les préfets de ne pas boire l'eau du robinet, de se laver les dents avec de l'eau bouillie ou de l'eau achetée. Mais on peut très bien faire bouillir aussi son eau, hein, voilà, ou de l'eau filtrée. Donc, à faire attention aussi donc à ce que vous allez boire. Alors, je ne sais pas si ça va être partout ou si ça va être que dans des secteurs de la France ou d'autres pays, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça, je l'ai dit depuis, je l'ai dit et redit depuis très longtemps. Je voyais l'eau, hein, toutes ces inondations, etc. Mais je voyais aussi, donc, je vous ai parlé de l'eau du robinet il y a très très longtemps. Maintenant, on fait comme on veut. On peut très bien poser aussi une bouteille d'eau sur une fleur de vie. Hein. Au niveau de la... Ça va se cristalliser, etc. Faut donner des bonnes intentions aussi. Ça, on peut le faire également aussi. Donc, vis-à-vis de cette musique et ces paroles que je vous ai donc partagées hier, il y a des mots où je ne suis pas d'accord, hein, les armes, les machins, etc. Non, 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 pas de violence. Malheureusement, malgré que l'on dit qu'il ne faut pas de violence, malgré tout ceci, je vois la violence depuis un certain temps. Paris va être bien touché. Des grandes villes aussi, comme je vous l'avais dit. Mais Paris, oui. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas dans la violence, bien au contraire. Hein, je serais plutôt dans la bienveillance. Mais via cette musique et ces paroles que je vous ai partagées, voilà, il y a des mots-clés, liberté, etc. Voilà, il faut que les personnes se bougent, hein, et sortent de leur canapé, leur divan. Je suis désolé. Il faut aller visiter la France, hein, parce que là, c'est crucial, c'est important. Ça en devient même, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, urgent. Voilà. Urgent, urgent, urgent. Il y a urgence. Donc voilà, je vais vous laisser, je reviendrai vers vous ultérieurement, donc c'était pas long. Donc surtout, surtout, d'accord, être vigilant et éviter de rentrer dans des endroits qu'il ne faut pas, parce qu'on pourrait déclencher la loi martiale, et là c'est mauvais. Donc voilà ce que j'avais à dire vis-à-vis de ce que je vous ai partagé donc hier soir, qui a été très court. Je vous embrasse, on reste dans la foi, on ne baisse pas les bras. Voilà, il faut aller visiter la France,
parce que ça va bouger aussi donc ailleurs, ça va faire boule de neige, ça je l'ai dit depuis un an aussi également, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, il va se passer quelque chose ailleurs et ça va faire boule de neige. Donc vous savez très bien que en Angleterre, eh bien, malgré qu'ils ont voulu retirer ces restrictions, ils savent que maintenant ils sont prévenus que le multipass veut qu'il soit présent donc au mois de septembre. Donc je pense que là-bas ça va bouger aussi. Ça va bouger un petit peu de partout. Donc soyons vigilants. Et j'ai une grande pensée aussi pour les îles françaises, je sais plus si on dit les dom-toms ou peu importe, bref, une grande pensée pour eux aussi, une pensée pour tout le monde. On ne baisse pas les bras, on garde la foi, on garde sa petite lumière intérieure, on garde ses énergies, on essaie de ne pas les baisser et prenez ce qu'il faut en vitamines, les minéraux, des vitamines, vous savez, hein, le zinc, etc. Je vous fais des bisous, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Je ne pense pas que je serai présente demain, si vous voyez ce que je veux dire. Gros bisous à vous!